Ses interventions tonitruantes dans l'hémicycle ont fait de lui une personnalité remarquée de l'Assemblée nationale. Depuis quelque temps, il a pris une place importante auprès de sa chef de groupe, Marine Le Pen. C'est le monsieur économie du Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy est l'invité de LCP, lundi C'est politique. Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir, merci d'être sur le plateau de lundi, C'est politique. Je vous présenterai mes confrères tout à l'heure qui seront là pour vous interroger aussi. Mais on va aller d'abord directement au cœur de l'actualité. Vous êtes réellement au cœur de l'actualité puisque cet après-midi, Michel Barnier a décidé donc de déclencher le 49-3 sur le projet de budget de la Sécurité sociale. Ces derniers jours, vous, le Rassemblement national, vous aviez accentué la pression sur lui pour avoir des concessions et vous étiez même vous-même personnellement au cœur des dernières discussions entre Michel Barnier et ses équipes, et Marine Le Pen et ses équipes dont vous faites partie. Avant d'aller au-delà, on va revoir l'intervention de Michel Barnier cet après-midi à la tribune de l'Assemblée nationale et la réponse qui a suivi de Marine Le Pen. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. Et je le fais en appelant à la responsabilité de chacun des représentants de la nation que vous êtes, même si vous devez quitter cet hémicycle, persuadé que notre mission commune, au-delà de nos divergences, et de servir la France et les Français. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Le gouvernement n'a pas souhaité bouger au-delà du déremboursement des médicaments à hauteur de 600 millions. Je rappelle tout de même que la désindexation des retraites qui ramène au gouvernement 3 milliards 2, c'est 0,5% de l'ensemble du budget du PLFSS. Il ne me semblait pas que cette demande était insupportable. Et je pense même qu'il était insupportable de la refuser. Les choses étaient claires. M. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il a dit que chacun assumerait ses responsabilités. Nous assumerons donc les nôtres. Il s'agit donc de censurer le gouvernement. Donc d'où que viennent ces motions de censure, s'il y en a une ou plusieurs, nous voterons ces motions de censure et en premier lieu d'ailleurs la nôtre. Jean-Philippe Tanguy, donc votre texte de motion censure pour le Rassemblement national est déposé. Est-ce que vous savez quand aura lieu le débat ? Normalement, c'est mercredi après-midi. Ça pourrait être jeudi, mais normalement, c'est mercredi. Pourquoi il y aurait un décalage comme ça ? C'est selon le délai qui est retenu. Alors, mercredi soir ou jeudi, Michel Barnier, il y a de fortes chances qu'il ne soit plus Premier ministre, qu'il soit censuré. Aucune chance non plus pour vous de revenir en arrière, de dire, bah tiens, finalement, on ne sait jamais. Il peut très bien y avoir une avancée de dernière minute et auquel cas, on retire notre motion de censure. Il peut toujours y avoir des miracles, même si je ne vois pas quelle disposition législative ou réglementaire permettrait d'arriver à garantir cette indexation des retraites, qui pour nous est une ligne rouge, une ligne écarlate, un contrat moral entre les Françaises et les Français, ceux qui ont travaillé et ceux qui travaillent, et on ne voit pas comment on pourrait revenir en arrière. En tout cas, nous, on considère que l'engagement de Michel Barnier, pris devant les Français dans deux journaux télévisés de grande écoute, qui était le respect de la justice sociale et le rétablissement des comptes publics, n'a pas été respecté par Michel Barnier. Parce que, bon, j'entends beaucoup, et c'est normal, qu'on censure par rapport aux exigences que nous avions sur le pouvoir d'achat, mais nous avons aussi prévenu Michel Barnier, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'étais au rendez-vous que Marine Le Pen a eu avec lui, qu'il ne fallait pas non plus dégrader le déficit, d'où des mesures de financement qu'il a aussi refusées. Il y a deux motions de censure, la vôtre, celle du Rassemblement national, que la gauche ne votera pas. En revanche, il y aura celle du Nouveau Front Populaire, donc de la gauche, que vous voterez. Donc, c'est la motion de censure de gauche qui fera tomber Michel Barnier. Absolument.
Et ça, vous l'assumez, il n'y a pas de problème pour vous. Oui, non, je vous dis ça problème. Parce que... Ça fait 2 ans qu'ils nous font le coup, on est habitués, les Français ont tranché par les urnes qu'ils n'aimaient pas le sectarisme de la gauche. Donc nous n'avons pas de problème. Ce qui compte, c'est l'intérêt des Français. Je vous dis ça parce que dans le texte de la motion de censure du Nouveau Front Populaire, je ne sais pas si vous l'avez lu. Si, je l'ai lu. Oui. Il y a clairement la mention du fait, un paragraphe, vous concernant, Rassemblement National, en disant que Michel Barnier a essayé jusqu'au bout de négocier avec vous et que vous étiez complice finalement du gouvernement. Ça ne vous gêne pas, vous le votez quand même? Non, mais je remercie la gauche de reconnaître que nous avons jusqu'au dernier moment essayé d'éviter cette motion de censure parce que une motion de censure, c'est quelque chose de grave. C'est un moment d'autant plus grave que cette fois, effectivement, vous l'avez dit, elle peut passer et elle va sans doute passer, sauf retournement incroyable de situation que je n'imagine pas. Mais, comment vous dire, la gauche, elle, s'est enfermée immédiatement dans une posture de censure, quoi qu'il arrive, avant même de connaître les textes. Oui, mais vous allez les rejoindre. De ce oui, mais ça, c'est, oui, mais si vous voulez, c'est pas parce que le résultat est le même que le processus est le même. Et nous avons essayé jusqu'au bout, et ils le reconnaissent, de négocier le meilleur pour les Français. Monsieur Barnier n'a pas accepté de garantir l'indexation des retraites de base de la Sécurité sociale. J'insiste là-dessus parce que certains groupes d'intérêt font passer qu'on protégerait les retraites des super riches, les gens qui gagneraient 4000 euros. Non, la retraite de base de la Sécurité sociale, elle va jusqu'à 1900 euros brut. Donc ce n'est pas du tout les retraites des privilégiés. Alors, je voulais juste revenir aussi sur la motion de censure du Nouveau Front Populaire. Parce que beaucoup d'analystes disent que c'est le RN qui a droit de vie ou de mort sur le gouvernement. Mais en fait, c'est peut-être le contraire. Parce que s'il n'y avait pas la motion de censure du Nouveau Front Populaire, la vôtre ne passerait pas. Donc en fait, c'est presque un aveu de faiblesse de devoir vous reporter sur la motion de censure du Nouveau Front Populaire pour faire censurer Michel Barnier. Non, on ne se reporte pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nécessaire puisque eux font preuve de sectarisme. Soit c'est devant les Français, tous les Français le voient. Moi, je pense que les événements des 2 dernières années ont montré que ce soit sur l'abrogation des retraites ou sur la censure, les Françaises et les Français n'aimaient pas le sectarisme. Malheureusement, M. Macron en avait même fait un argument électoral en 2017. Je crois que une partie des Français avait voté pour lui pour mettre fin au sectarisme. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que le Rassemblement national qui gouverne pour l'intérêt général. Je crois que ça nous est reconnu. En tout cas, c'est vraiment un marqueur de Marine Le Pen. Avant d'aller vers cette motion de censure, est-ce que vous pensiez vraiment que ça arriverait maintenant et pas un peu plus tard, au moment du budget de l'État, par exemple? Est-ce que, en clair, il y a eu une pression de la base, de vos électeurs qui vous ont dit « allez-y maintenant » ? Non, c'est-à-dire que dans le PLFSS, qui est moins connu effectivement que le projet de loi de finances, il y avait des lignes rouges très importantes, à savoir le déremboursement, enfin un coup de rabot de 5% sur le remboursement des médicaments, la désindexation. Ça, on a compris. Des retraites. Mais sur donc, le calendrier, vous essayez jusqu'à maintenant de négocier. Ah, mais vous savez, et puis d'un coup, ça s'accélère. Il y a un truc. Il y a non, un mais, truc. Oui, je vais vous dire, un de mes mentors, et c'était Charles Pasqua, disait « Les promesses n'engagent que ceux qui les croient ». Et moi, je ne crois pas les promesses de M. Barnier, mais surtout de ses ministres macronistes, M. Armand. Mais je veux dire, l'accélération du calendrier, il y a un truc donc, derrière cette accélération. Donc en fait, je ne crois pas, c'est pas parce qu'ils nous font des promesses pour le PLF qu'il faut croire les non-promesses du PLFSS. Donc moi, je pense qu'il fallait mettre un coup d'arrêt immédiatement et aussi par intérêt général, parce que le fait que M. Barnier tombe maintenant impose la nomination d'un nouveau gouvernement qui présentera un nouveau PLFS, un projet de loi de finances de sécurité sociale, pardon, et un projet de loi de finances de l'État dans les meilleurs délais. Et donc, on avant la fin d'année, vous pensez? On peut gagner un temps précieux. Espérez avant la fin de l'année? J'espère, oui. Je pense qu'ils en sont capables. Enfin, qu'ils en sont capables. Que Bercy en est capable. Et vous le souhaitez, si Bercy surtout, veut, et vous le souhaitez. Le gouvernement pourra. La réalité, c'est que les hauts fonctionnaires de Bercy ne voulaient pas modifier leur texte. Ce sont des gens très orgueilleux, très vaniteux, qui pensent tout savoir, même quand ils ont tort. C'est les fonctionnaires de Bercy que vous mettez en cause aussi, malheureusement, oui. Enfin, les hauts fonctionnaires, pas les fonctionnaires. Oui, les hauts fonctionnaires de Bercy. La plupart des milliers de fonctionnaires de Bercy font un très beau métier. Ils voient sur le terrain, rendent beaucoup de services aux élus locaux, aux Français. Mais vous avez un certain nombre, une caste à la direction de Bercy qui considère que même quand elle a perdu 60 milliards d'euros dans ses couloirs, c'est jamais de sa faute. Je vous présente maintenant les consoeurs et confrères qui sont avec moi pour vous interroger au cours de cette émission. Clément Méric, bonsoir. Bonsoir Clément, Francis. Journaliste à LCP, il est chez lui. Bonsoir Bérangère Bonte, bonsoir. Vous êtes bonsoir, journaliste au service politique à France Info. Bonsoir Laurent Fargue, bonsoir. Vous êtes rédacteur bonsoir. En chef adjoint à Challenge. Et puis bonsoir Hugo Couturier, Hugo au Perchoir, qui grâce à sa chaîne LCP Assemblée Nationale sur Twitch va nous permettre d'avoir les réactions du public en temps réel. Avant de leur laisser la parole, on va écouter maintenant les réactions à la fois du côté du Bloc central, Gabriel Attal en tête, mais aussi des autres oppositions, en particulier de gauche, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Constatant que le gouvernement se refuse au dialogue,
puisqu'il passe par le passage en force du 49-3, nous le censurerons dès les prochains jours. Faire tomber mercredi le gouvernement Barnier, ce n'est pas une France sans gouvernement. C'est une France qui se donne la possibilité d'avoir un gouvernement qui mène une meilleure politique. Ce qui se joue là, et ce qui est devant nous, c'est une situation où les socialistes, avec les insoumis, le Rassemblement national, les communistes et les écologistes, vont mêler leurs voix pour plonger notre pays dans l'inconnu. Ça n'est pas responsable. Tout ça est une arnaque avec un Premier ministre qui a tenté d'échapper à la censure en se vautrant dans le déshonneur avec le Rassemblement national. Eh bien, il aura ce mercredi à la fois le déshonneur et la censure. Et je le dis, après, pour que notre pays puisse sortir de l'impasse politique et du chaos politique dans lequel Emmanuel Macron a plongé le pays, il ne restera plus qu'au président de la République de partir et au peuple français de pouvoir trancher par leur vote des nouvelles orientations qu'ils veulent pour ce pays. Bref, voilà, le débat ne fait que commencer. Bérangère, je vous laisse la parole. Oui, Jean-Philippe Tanguy, il y a plusieurs façons peut-être de lire la séquence qu'on vient de vivre, mais vous avez obtenu beaucoup de choses ces derniers jours. Pas de hausse de taxes d'électricité, pas de déremboursement des médicaments. Est-ce qu'au final, vous n'avez pas tout perdu? Puisqu'il n'y a plus de budget, vous perdez tous vos gains dans cette affaire. Ah bah c'est surtout les Français qui gagnent beaucoup, parce que toutes les mauvaises mesures que même nous n'avions pas mis en ligne rouge sont annulées. Donc il n'y aura pas de taxe soda, il n'y aura pas de hausse d'impôts sur l'achat de propriété pour les départements. Bref, il n'y aura pas 40 milliards d'euros. Mais vous avez des regrets de ça? Pas du tout. La des petites retraites. Si, ça y aura, parce que ça a été tranché tout à l'heure. C'est dans le Code de la Sécurité sociale et non pas dans le PLFS. Donc l'indexation des retraites est garantie par mais la loi pas de budget, par et exemple est appliquée automatiquement au 1er janvier 2025. Mais je vous remercie de le signaler, parce que rappelons que indexer les retraites, ce n'est pas un cadeau, c'est l'application de la loi, même si M. Macron, effectivement, essaie de le vendre comme un cadeau électoral chaque année. S'il n'y a pas de budget, par exemple, le barème des impôts de 2024 s'applique, et donc c'est pratiquement 400 000 Français qui étaient non imposables qui vont le devenir. C'est des hausses d'impôts pour beaucoup d'autres, ça aussi, vous l'assumez? Alors, c'est le seul. Il n'y a pas de hausse d'impôts pour beaucoup d'autres. Mais, ah si, sur l'impôt sur le revenu, vous voulez dire. Oui, pardon. Oui. Vous avez raison. La seule difficulté qu'il y a, c'est cette indexation du barème entre 3 et 4 milliards d'euros. Nous allons trouver une solution avec le président Coquerel de la commission des finances. C'est-à-dire? Nous pouvons sans doute proposer un amendement à la loi spéciale qui permette de relever les impôts. Et comme on autorise le prélèvement des impôts, le fait de mettre le barème sur l'impôt n'est pas un cavalier législatif. Mais quand même... Donc en clair, pour être simple, ouais, ça veut dire que vous prenez les garanties là ce soir, que les... En tout cas, on va essayer. Ah, c'est pas sûr. Ah non, c'est pas sûr, parce que c'est un inconnu. On va essayer, mais ceci dit, je comprends. Vous allez essayer de faire en sorte que le barème de l'impôt de 2024 ne soit pas pareil. Soit indexé au 1er janvier 2025, mais sinon... Pour éviter que des gens se retrouvent imposables. Absolument, mais je tiens à rassurer ceux qui nous regardent. Si on devait perdre, par exemple, le mois de janvier pour voter un PLF, ce sera mis dans le barème du prochain PLF. Il y aura, de toute façon, un projet de loi de finances. Il y aura un projet de loi de finances. Donc, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt pour ceux qui... Il n'y aura pas d'augmentation d'impôt. Vous engagez à ça? Bien sûr. On le disait tout à l'heure, vous étiez aux premières loges des discussions de ces derniers jours. Racontez-nous, ça s'est mal passé. Comment se fait-il que ça capote comme ça? Ça s'est mal passé, le coup de fil de ce midi, par exemple, entre Michel Barnier et Marine Le Pen. Vous y avez assisté, vous en avez au moins un récit. Dites-nous comment ça s'est passé. Vous savez, les négociations révèlent des négociations. Donc, ça, on ne peut pas trahir des échanges confidentiels, sinon on ne peut pas travailler. Alors le climat, c'était tendu ou c'était... Non, ça s'est jamais été tendu. Michel Barnier, c'est vrai, quelqu'un de courtois, de respectueux, avec qui on peut avoir des échanges, comme d'ailleurs les échanges que j'ai pu avoir avec le ministre Armand ou le ministre Saint-Martin. Mais on voit bien que le blocage vient du refus de ces personnalités d'entendre le résultat des urnes, d'entendre que le Rassemblement national pèse 1 million de voix et d'entendre qu'ils ont fait des erreurs de gestion. 11 millions, vous voulez dire? 11 millions de voix, pardon. Oui, vous avez dit 1 million. Excusez-moi, 11 millions, excusez-moi, merci. 11 millions avec vos alliés. Je suis un peu fatigué comme tout le monde aussi. Et comment dire, et d'entendre aussi qu'ils ont fait une mauvaise gestion. Et c'est vrai que, comment dire, cette administration, ce gouvernement, cette Macronie élargie aux Républicains ont beaucoup de mal à entendre des leçons de bonne gestion du Rassemblement national. Et bien moi, je prétends qu'on est capable de leur donner des leçons de bonne gestion et ils ne l'acceptent pas. Et enfin, on a vu, hein, celui qui a quand même tout planté, il faut bien le dire, il était là sur l'écran, c'est M. Attal, qui a fait savoir à M. Barnier qu'il refusait toute négociation sur l'indexation des retraites. Et effectivement, on a bien vu leur attitude. M. Attal prépare en fait sa future campagne présidentielle au centre-gauche. Michel Barnier était prêt à céder sur ce point-là? En tout cas, on a bien senti que le blocage ne venait pas spécialement de lui.
Mais plutôt de Gabriel Attal, vous voulez dire. Oui, absolument. Mais qui aurait fait pression sur le Premier ministre, vous pensez? Mais depuis le début, tout le monde sait bien que M. Attal plante, il est Brutus et toute la cohorte qui assassine César, et ils sont au 40e coup de couteau dans le dos de M. Barnier. Or, nous, on est dans l'opposition, c'est normal qu'on s'oppose à M. Barnier. M. Attal a mis le pays dans cette situation avec Mme Borne. Mme Borne, par exemple, donc complice, si je puis dire, dans le crime de M. Attal, a fait savoir la semaine dernière qu'elle refusait de voter le PLF et le PLFSS, qu'elle était contre le fond et contre la forme. Voilà, donc ça, c'est ça, les alliés. Et donc là, vous dites que M. Barnier n'a entendu que sa majorité, son socle, pas vous. Vous, vous avez perdu, effectivement, pas avoir M. Barnier a perdu deux mois à s'épuiser, à mettre d'accord des gens qui auraient dû l'être. Et ce n'est pas notre faute si M. Barnier ne pouvait compter ni sur les amis de M. Wauquiez, ni sur les amis de M. Attal, ni les amis de M. Bayrou, ni sur les amis de M. Philippe. Hugo. Tous ces gens qui vont s'affronter dans une future primaire pour être candidat à la présidentielle. Et M. Attal veut être au centre-gauche. Et donc, pour être au centre-gauche, il ne veut pas entendre parler d'accord ou négociation avec le Rassemblement national. Hugo. Oui, il y a deux questions pour vous. Il y a Juan qui vous demande, pourquoi qualifiez-vous la gauche de sectaire? Est-ce parce que, selon lui, elle refuse d'être de droite? Et l'autre, le socle commun, qui est la première coalition à l'Assemblée nationale, n'a pas réussi à y arriver. Vous êtes la dernière coalition à l'Assemblée nationale avec l'UDR. Comment, vous pouvez y arriver avec 70 députés en moins? Mais il y a deux questions très différentes. La gauche est sectaire, on l'a vu avec la réforme, l'abrogation des retraites, qui était massivement soutenue par les Français. On a beaucoup, tous été élus, autant au NFP qu'au Rassemblement national, sur cette promesse d'abrogation. Et le NFP, et notamment les Insoumis, ont joué la politique du pire, puisque quand nous l'avons proposé dans notre niche parlementaire, c'est cette journée où les députés peuvent proposer une loi, ils ont laissé en commission les macronistes supprimer la loi, la vider de sa substance, retirer le retour à 62 ans et l'abrogation de la réforme Touraine, pour que nous ne puissions pas voter l'abrogation de la réforme des retraites, eux espérant le faire, sauf que, eh ben, patatras, lorsqu'ils l'ont pu le proposer la semaine dernière, eh bien, les macronistes ont fait de l'obstruction et on n'a pas pu voter l'abrogation de la réforme des retraites. Donc ça n'a rien à voir avec être de droite ou être de gauche, c'est défendre l'intérêt général. Et en refusant de voter l'abrogation de la réforme des retraites avec le Rassemblement national, eh bien, ils ont fait perdre encore des mois précieux aux Français Clément, et aux Français. Clément. Il n'y a pas de réponse pour la deuxième. On verra sur la deuxième tout à l'heure. Le Rassemblement national fait tout pour être considéré comme un parti de gouvernement depuis plusieurs années maintenant, un parti responsable qui ne mise pas sur le désordre politique pour en tirer profit. Et là, vous avez obtenu gain de cause sur au moins trois de vos lignes rouges, ou en tout cas une partie de ces lignes rouges. Bérangère les a citées, hein, taxe sur l'électricité, déremboursement des médicaments, mais également aide médicale d'État. Et ça ne vous a pas suffi, ça donne l'impression que c'était tout ou rien pour le RN. Ça ne fait pas très parti de gouvernement. Mais si, parce que si vous voulez, la présentation que fait Michel Barnier et ses relais est très malhonnête. Parce qu'en fait, par exemple, la proposition centrale du Rassemblement national, c'était pas empêcher le déremboursement des médicaments. C'était baisser la TVA sur l'énergie, vous en avez suffisamment entendu parler depuis deux ans, de 20 à 5,5, c'était baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Moi, je les ai entendus, vos lignes rouges, le déremboursement des médicaments, c'était bien une ligne rouge. Et ça, on ne l'a pas mis, et ça, on ne l'a jamais mis dans la négociation. Nous n'avons jamais mis dans la négociation des mesures électorales du Rassemblement national. On n'a pas mis l'abrogation des retraites, par exemple, ça nous a été de la réforme des retraites, ça nous a été reproché par une partie de la gauche. Nous mais à un moment, être un parti de gouvernement, c'est accepter c'est pas le faire compromis, c'est faire des concessions face à d'autres concessions. Les lignes rouges que nous avons proposées lundi dernier, enfin, lundi en 8, à Michel Barnier, étaient déjà très gros compromis, de très gros compromis. Parce que nous avons refusé les mesures principales du Rassemblement national pour faire avancer les choses, et M. Barnier n'a pas entendu cela. Par exemple, hier dans la tribune, on a accepté les jours de carence, et une fois qu'on a accepté les jours de carence, hop, il a oublié ça et il l'a plus mis dans le panier. Monsieur Tanguy, hier dans la tribune du dimanche, Marine Le Pen a réclamé un ultime geste à Michel Barnier, c'était soit l'indexation de toutes les retraites sur l'inflation, soit renoncer au déremboursement des médicaments. Ce n'était pas et l'un et l'autre, c'était bien ou l'un ou l'autre. Vous avez obtenu gain de cause sur l'une de ces lignes rouges, et finalement, vous allez quand même censurer le gouvernement. C'est-à-dire quoi? Vous ne tenez pas parole, quelque part? Ah non, mais moi, je ne sais pas d'où vient ce « ou ». Moi, j'ai assisté à toutes les réunions. Il est écrit noir sur blanc dans l'entretien très bien, à la tribune du dimanche. Ça arrive de faire des coquilles à tout le monde. Moi, j'ai assisté à tous les entretiens. J'ai rédigé ou co-rédigé tous les documents écrits qui ont été remis au gouvernement, aux différents interlocuteurs. Ça a toujours été cumulatif, c'était très clair. Je sais que le gouvernement communique beaucoup sur ce mot qui apparaît un mot dans une interview assez longue. Donc c'est une coquille, vous dites c'est une Oui, non, mais ça a toujours été cumulatif. En tout cas, on n'a jamais dit que c'était soit l'un, soit l'autre. Hein. En général, les dossiers de presse écrite sont relus. Mais... Oui, mais peut-être. Mais, mais nous-mêmes, ça peut nous arriver de ne pas être parfait. Nul n'est parfait. Dont mais en tout cas, je peux vous dire que les mandats de négociation, ils étaient très clairs. Ça a toujours été cumulatif. Mais en deux mois, on a quand même
même, on n'a pas rêvé, on a bien vu un changement de posture. Il y a deux mois, vous ne vouliez pas être un facteur d'instabilité, vous n'avez pas voté la censure après la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Qu'est-ce qui s'est passé en deux mois pour qu'on en arrive à ce raidissement ? Mais c'est que Michel Barnier propose un très mauvais budget de la sécurité sociale et un très mauvais budget général. Un budget qui aggrave les déficits, qui ne lance aucune réforme. Mais vous le saviez dans sa déclaration de politique générale, non, pas tout du tout. Y est. Ah bah pas du tout. Dans cette déclaration de politique générale, Marine Le Pen lui répond. D'ailleurs, elle lui dit « Attention, nous avons déjà des lignes rouges, la défense du pouvoir d'achat, la justice sociale. » Et là, ouais, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Dans le projet de loi, les deux projets de loi de finances, il y a des impôts dans tous les sens, il y a des désindexations des retraites, il n'y a aucune mesure pour relancer les salaires. Les impôts pour les plus privilégiés plus sont cinq fois inférieurs aux impôts pour les classes moyennes. Il n'y a rien Bérangère. Qui va. Pour être encore plus clair, est-ce que ce qui s'est passé, c'est pas un réquisitoire ? Mais non, vous le savez. Ne balayez pas ça. Ben, est-ce que vous auriez durci le ton à ce point-là si elle n'était pas menacée d'une inéligibilité immédiate, Marine Le Pen ? Mais pas du tout. Si jamais il n'y avait pas eu ces réquisitions, on aurait dit l'inverse. On aurait dit que c'est parce qu'il n'y a pas de réquisition, il n'y a pas d'épée de Damoclès qui fait qu'elle est libre de censurer. Donc on a entendu tout et le contraire de tout sur ce procès. Tout ça est très mauvaise foi. Et en plus, c'était à votre émission à 8h30. Il n'y a pas un changement clair de posture. J'ai dit que le gouvernement s'engageait sur le chemin de la censure le 15 octobre dernier à votre émission. Sur France Info. Les réquisitions, c'est le 13 novembre. Donc j'ai toujours, moi, été très clair, c'est quand même moi qui suis en charge au Parlement des questions financières. C'était pas son cloche générale, vous connaissez que c'était d'accord, pas ça, mais il se trouve que c'est moi qui... qu'on entendait du RN depuis un mois. Très bien, mais moi, je parle pour ma petite personne. En tout cas, je suis en charge des dossiers financiers et du suivi des textes économiques pour le Rassemblement National en tant que président délégué. Et je lui dis très clairement que ce qu'il nous proposait n'allait pas. J'ai envoyé au ministre le contre-budget, je n'ai jamais eu alors, de retour. Alors, puisqu'on est sur l'économie, on reste avec vous sur l'économie, Laurent Farc, parce qu'il y a une autre question qui se pose, évidemment, sur les enjeux à venir. Oui, absolument. C'est-à-dire que depuis quelques années, c'est vrai que le Rassemblement national est dans une quête de notabilisation. Vous souhaitez devenir un parti de gouvernement. Et là, vous prenez la responsabilité que la France n'ait pas de budget de la sécurité sociale pour l'année prochaine, pas de budget de l'État. Vous ne craignez pas d'être à l'origine d'une crise de financement de la dette ? Pas du tout. Ceux qui sont à l'origine de la crise de financement de la dette, c'est ceux qui ont créé cette dette. Le Rassemblement national n'a pas participé. C'est vous qui votez. C'est vous qui faites chuter le gouvernement. C'est vous qui faites qu'il n'y a pas de budget ni de la sécurité sociale. C'est votre responsabilité. Non, la responsabilité du gouvernement, quand ils sont minoritaires et quand ils savent qu'ils doivent soit avoir le soutien du NFP, soit le soutien du Rassemblement national, c'est de préparer, de présenter et de négocier un texte qui peut avoir le soutien soit de l'un, soit de l'autre. Donc on en revient exactement à ce que je disais. Ces gens estiment qu'ils ne sont jamais responsables de rien. Michel Barnier, dans le passé, dans les responsabilités qu'il a eu passées, a cotisé, si je puis dire, à l'alourdissement de cette dette. Monsieur Macron a créé autant de dettes à lui seul que tous les présidents de la République jusqu'à Jacques Chirac. Donc il ne faut pas non plus exagérer. Je crois que les Français le savent très bien. Il y avait un sondage la semaine dernière qui montrait d'ailleurs qu'il y avait seulement 13% des Français qui estimaient que la situation était de la responsabilité du Rassemblement national. L'absence de budget de l'État, de la sécurité sociale pour l'année prochaine, c'est quand même un fait économique et financier majeur. Donc vous endosserez une partie de la responsabilité. Et vous le disiez, vous mettez déjà dans la perspective d'une loi spéciale, c'est-à-dire une sorte de budget à minima qui permet à l'État de prélever l'impôt. Cette loi-là, vous vous engagez déjà à la voter ? Oui, là, absolument. On l'a dit publiquement, même la semaine dernière. La seule chose qui fonctionne encore dans notre pays, c'est la Constitution telle que l'a voulu le général de Gaulle quand elle n'a pas été modifiée par des gens qui n'étaient pas à sa mesure. Donc les dispositions qui permettent une stabilité budgétaire dans notre pays et la permanence de l'État, elles sont solides, elles ne devraient pas susciter d'inquiétude, mais on en revient à l'irresponsabilité de ce gouvernement qui agite beaucoup les marchés, il est vrai. Hein, Monsieur Le Maire l'avait aussi fait à la dissolution, et vous le savez très bien, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne a commencé à s'envoler au moment où Monsieur Macron a dissous, mais surtout au moment où Monsieur Le Maire, à l'époque, de triste renommée, a agité les marchés et a fait peur. La France n'a jamais récupéré son statut depuis. Quand on parle de loi spéciale, vous avouez que c'est on va vers l'inconnu quand même, hein. C'est du jamais vu tout ça. Mais ça vous fait pas peur. Il y a déjà eu une année où ça vous fait pas peur. N'avait pas pu être adopté pour des raisons différentes. Mais vous savez, en France, on a les défauts de nos qualités. Hein. Donc le fait qu'on ait cette dette monstrueuse et cette administration parfois trop importante fait qu'elle est là. Vous avez taclé tout à l'heure. Oui, mais elle est là. Donc bon, il y a une permanence de l'État. Je ne suis pas inquiet. Nous avons nos 36 000 communes, nous avons nos 100 départements, nous avons nos 13 régions, nous avons nos deux assemblées qui sont là. On aura un gouvernement démissionnaire. Je ne suis pas sûr que la France ait vu la différence quand le gouvernement Attal était démissionnaire par rapport au moment où il n'était pas démissionnaire. Ça ne nous a pas empêché d'organiser les JO. Ça nous a pas d'empêcher. Bah oui, justement, on a accueilli un Hugo, événement assez important. Vous avez la parole, et il n'y avait pas de problème. Il ne faut pas faire peur aux gens. En tout cas, Hugo, c'est pas je garde la parole. Je garde la parole. Gardez-la. Oui, du coup, sur ma question, sur vous êtes la troisième coalition. Comment vous allez faire mieux que la plus grande rapidement? Et autre, il y a une question pour vous.
vous, sur, censurer le gouvernement Barnier, c'est aussi censurer Bruno Retailleau, qui a le même programme que vous sur l'immigration. Est-ce que ça veut dire que pour vous, l'immigration n'est plus centrale au RN au profit du social et du pouvoir d'achat? C'est une question de François. Mais M. Retailleau parle beaucoup, mais il a déjà fait des concessions sur la régularisation d'un nombre de clandestins. Bon, on voit bien que M. Retailleau avait plus tendance à aller vers Gabriel Attal que vers Marine Le Pen. Je ne lui fais pas confiance. M. Retailleau n'a jamais fait barrage à M. Macron lorsqu'il en avait l'occasion. Il n'a jamais soutenu Marine Le Pen. Pour nous piquer nos idées, il y a du monde. Je ne pense pas qu'il puisse les appliquer avec une majorité qui dépend du bon vouloir de Gabriel Attal, qui avait donné 500 000 titres de séjour aux étrangers par an. Le fait que vous n'ayez pas de majorité non plus, les gens se posent des questions. Qui va prendre la suite ? On en parlait avec Clément tout à l'heure. Mais il suffit qu'ils entendent nos lignes rouges. C'est simple. Clément. Vous verrez qu'elles ne bougeront pas. Clément, justement, la suite. Justement, la suite, vous allez donc faire tomber le gouvernement, a priori, mercredi ou jeudi, avec les voix de la gauche qui réclame justement d'être nommée à Matignon pour gouverner. Vous le réclamez ? Vous aussi, vous le réclamerez après-demain, après la chute du gouvernement Barnier ? Je ne crois pas. Jusqu'à présent, on a toujours pris acte des sinistres alliances qui nous avaient empêchés d'avoir un nombre de sièges correspondant à nos nombres de voix. Je rappelle que le fait de faire 11 millions de voix au deuxième tour des législatives, c'est la avec première vos alliés. Fois... Voilà, c'est la première, avec nos alliés effectivement d'Éric Ciotti, c'est la première fois qu'un tel nombre de voix ne permet pas d'avoir une majorité en siège. Ça a été le choix de Gabriel Attal. Et vous avez cherché à bâtir une majorité avec d'autres alliés. Vous faites tomber le gouvernement, mais vous ne cherchez tous pas à gouverner. Tous ces gens qui se sont alliés contre nous ne veulent pas s'allier avec nous aujourd'hui. Et on n'a pas spécialement envie de s'allier avec. Donc vous ne pouvez pas gouverner. Je vous rassure. Mais non, vous ne voulez pas. On n'a jamais prétendu. Non mais vous ne voulez pas. Nous, contrairement aux autres, nous on a dit avant le deuxième tour des élections législatives que si on n'avait pas de majorité absolue, nous ne pourrons pas faire d'alliance, parce que les autres sont sectaires, et on ne ment pas aux gens. J'entends. Donc les autres ont beaucoup menti. Mais si Michel Barnier tombe, il faut bien que quelqu'un prenne ses responsabilités pour qu'il y ait un gouvernement. Vous refusez de prendre cette responsabilité. Vous l'avez dit vous-même. On n'a pas fait barrage a priori à un gouvernement qui appliquerait des bonnes mesures. Donc s'il y a un Premier ministre qui est nommé, qui fait un budget tel qu'il est acceptable par le Rassemblement national, nous ne le censurerons. C'est-à-dire avec votre programme, mais sans vous, quoi. Non, pas avec notre programme. On a déjà retiré l'essentiel de nos mesures et on a laissé que, comment dire, vraiment les lignes non négociables. Et qui donc, si ces lignes sont respectées, on ne censurera pas un nouveau gouvernement. Qui seriez-vous prêt à accepter au poste de Matignon, François Bayrou, son nom circule, par exemple. C'est une option pour vous, envisageable? Nous, on n'a jamais voulu participer à la course des petits chevaux. Bon, François Bayrou, c'est toujours bien tenu avec le Rassemblement national, contrairement par exemple à Xavier Bertrand, où effectivement c'était vraiment un veto de notre part, parce qu'il est d'une violence avec les élus du Rassemblement national, qui fait en fait, c'était même pas la personne de Xavier Bertrand, c'est qu'en fait, c'était impossible de travailler avec cette personnalité, donc c'était voué à l'échec. En revanche, François Bayrou, c'est possible. François Bayrou s'est toujours bien comporté, mais ce n'est pas à moi de choisir. Mais, non, mais on voilà, demande vos préférences. Je constate que François Bayrou s'est toujours comporté de manière correcte, sauf parfois vraiment dans des périodes très tendues électorales, mais sur l'immensité de sa carrière qui est très longue, la moyenne est plutôt bonne. Quand on dit gouvernement technique, ça aussi c'est une option, c'est-à-dire des gens qui n'auraient pas d'intérêt partisan, ça vous y croyez? Parce qu'après tout, il va bien falloir administrer la France, à minima jusqu'à l'été prochain. Ça peut exister dans certains pays. En France, malheureusement, c'est compliqué, car ces profils sont rares, ils sont presque tous politisés. Hugo ? Oui, justement, moi, c'est une question que j'ai posée, effectivement, aussi à LFI, mais personne n'est capable de me répondre. Qu'est-ce qu'on fait si jamais le chef de l'État, ça va être le sujet d'après, comme ça, je fais une passe décisive, si le président démissionne, on a un Premier ministre qui est nommé, qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois, vu que, visiblement, personne ne veut faire d'accord avec personne dans les 3 blocs, qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois ? Est-ce qu'on a un gouvernement technique ? Vous, c'est quoi vos solutions au RN pendant 6 mois, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, écoutez, il me semble l'avoir expliqué. Nous, on peut, Monsieur Macron, président de la République, peut renommer une personnalité, s'il veut, de centre droit, de centre, enfin, bien lui plaira, qui soit capable de mener des discussions budgétaires vraiment ouvertes, des vraies négociations, qui tiennent compte de nos lignes rouges et pourquoi pas de nos propositions supplémentaires s'il le souhaite. Mais en tout cas, nos lignes ne bougeront pas. Et je vous prends un témoin aujourd'hui que s'il y avait un nouveau Premier ministre qui repropose un PLFSS, nos lignes ne bougeront pas. Et s'il est sur votre ligne, vous ne le censurerez pas. Absolument. C'est ça que vous avez dit aussi, oui, ce soir. Absolument. Alors, ce qui va être important de voir aussi, c'est comment se prépare l'avenir du point de vue du budget, du point de vue de l'économie. Écoutez maintenant le point de vue de Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, qui était ce matin sur France 2, qui met en garde. L'objectif qui est fixé par le PLF, qui est examiné par l'Assemblée, 5% de déficit, il doit être atteint, il doit être recherché en tout cas. Il faut s'approcher de cette grandeur-là parce qu'il faut donner le signe que, enfin, nous reprenons le contrôle de nos finances publiques. Et c'est vrai qu'avec une motion de censure,
eh bien, on entre dans une phase plus incertaine. Oui. Alors, je ne la qualifierais pas de gouffre, non, mais incertitude sans aucun doute. Laurent. Oui, donc vous disiez que vous étiez prêt à finalement accompagner un gouvernement qui reprendrait un certain nombre de vos propositions. Le problème, c'est quand on liste vos propositions, elles coûtent horriblement cher. Hein. Il y avait un institut pendant les campagnes législatives qui avait chiffré votre programme à 71 milliards d'euros de creusement de déficit. Comment on fait, vu l'état des finances publiques, pour financer un tel programme ? Bon, vous le savez. Vous savez bien, on a discuté plusieurs reprises. Moi, je ne partage pas ces analyses d'institutions qui ont par ailleurs validé le programme d'Emmanuel Macron avec le succès que l'on sait. Mais dans les lignes que nous avons proposées à Michel Barnier, excusez-moi. Vous allez dire pas. François Bayrou, vous avez prévenu d'avant. J'avais François Barrou en tête, je ne sais pas pourquoi. Ah, pardon, alors Michel Barnier. Non, je ne crois pas. Fermons la parenthèse. Mais erreur de ma part. Mais dans les lignes que nous avons posées, ce ne sont pas ces mesures chiffrées par l'Institut Montaigne pour le nommer. Ce sont des montants bien inférieurs. Par exemple, les retraites, il s'agissait de 3 milliards d'euros, ce qui représente 0,5%. Du montant des dépenses du PLFSS, et nous avons mis un certain nombre de mesures d'économie. Par exemple, moi j'en ai reparlé avec le ministre Saint-Martin jeudi dernier, je lui ai dit, un rapport de l'Inspection Générale des Finances établit la trésorerie excédentaire des opérateurs à 4 milliards d'euros, ce qui prouve bien qu'il y a au moins 4 milliards d'euros d'économies à faire immédiatement sur les opérateurs, contrairement à M. Barnier qui prétend que les opérateurs sont à l'os, ils sont très 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 loin d'être à l'os. Le problème c'est que ça c'est des chiffres que vous donnez comme ça, mais quand on va voir des économistes, et l'un des meilleurs d'entre eux, quand même, le prix Nobel, un des prix Nobel qu'on a en France, Jean Tirole, il retrouve tout à fait les chiffres de 71 milliards de creusement du déficit, il dit que si on appliquait le programme du Rassemblement National, on aurait une crise de la dette, qui nous obligerait soit à faire une espèce de cure d'austérité comme on n'en a jamais fait en France, voire à demander l'appel du FMI. Donc on se demande parfois un peu si le programme du Rassemblement national est très réaliste économiquement. Mais écoutez, ces genres de personnes ont soutenu tous les gens qui nous ont mis dans cette situation. Donc la crise de la dette, elle est aujourd'hui. Le fait que la France ait emprunté temporairement plus cher que la Grèce, c'est eux. Donc moi, les gens qui ont désindustrialisé... Vous ne connaissez pas l'expertise de Jean Tirole. Non mais Jean Tirole, il a eu un prix Nobel. Vous ne reconnaissez pas son expertise. Non, mais, c'est pas parce que vous êtes expert que vous êtes neutre. Ce sont des choses différentes. Et Jean Tirole, vous le savez, il est prix Nobel sur ses travaux sur le travail. Il n'est pas prix Nobel en économie politique et il n'est pas prix Nobel en gestion des finances publiques. Donc, c'est pas parce que vous êtes prix Nobel de médecine que vous avez un avis en physique nucléaire. C'est bon. Bérangère, peut-être. De la même façon, je rebondis, vous avez juste évoqué tout à l'heure des institutions qui valident le budget de la France. La Commission européenne a validé la trajectoire de rétablissement des comptes publics. Très inquiétant. Vendredi, Standard & Poor's, on en pense qu'on veut, mais quand même, ce n'est pas non plus des débutants sur la question. On choisit de faire confiance également au gouvernement pour rétablir les finances publiques, malgré l'incertitude politique. C'est peut-être que ces budgets ne sont pas si mauvais, quand même. Non, mais... Moi, qu'en 2024, on demande encore aux agences de notation, dont la responsabilité dans la crise financière de 2008 était établie, renseignée et qui avait failli être supprimée, qu'on te demande encore l'avis de ces gens, me semble surréaliste. Et je l'ai toujours dit. On supprime toutes ces agences. On ne peut pas. Non, mais que vous le vouliez ou pas, c'est elle qui donne le tempo quand même. Non, vous leur mettrez un vieux trop. Comment ? Vous leur mettrez un vieux sans tape si un jour vous devenez ministre et de l'économie, vous leur direz oui, super, retourne jouer. Non, mais moi, ça fait 15 ans que je leur dis que j'ai vu et que je me tape de leur avis. Revenons à la question. Mais pour revenir sur la Commission européenne, c'est plutôt très inquiétant parce qu'en fait, la Commission européenne reconnaît que Michel Barnier veut s'inscrire dans la trajectoire qui est prévue par l'Union européenne et qui n'est pas une bonne trajectoire. De rétablissement des comptes publics. Ce qui est votre priorité aussi, ça a été redit ces derniers jours. Les politiques publiques préconisées par l'Union européenne, c'est l'allègement. C'est toujours priver les Français de droits sociaux, c'est allonger la durée de départ pour les retraites, c'est privatiser un certain nombre de services publics. Bref, ils n'ont toujours pas compris que ça n'a pas fonctionné. Et moi, l'horizon de ma vie politique, c'est pas priver les Français de droits, c'est développer l'économie, c'est relancer l'innovation, c'est relancer la productivité, ouais. C'est faire en sorte que la France n'ait plus la moitié du PIB américain. Voilà, c'est ça. Donc, le bilan des politiques économiques de l'Union européenne est tellement catastrophique aujourd'hui et reconnue même par les européistes que l'avis des grands économistes de la Commission européenne, là aussi, je sais vu et je m'en tape. Sur les conséquences économiques de cette censure,
très possible, très probable du gouvernement de Michel Barnier. Vous avez le président de la FNSEA qui a expliqué ce week-end que l'agriculture a besoin d'un budget de stabilité et de visibilité. Vous avez la CPME, celle qui représente les patrons des petites entreprises, qui vous supplie ce matin, ne sacrifiez pas nos entreprises sur l'autel de vos ambitions. Vous leur dites quoi ? Vous leur dites qu'ils ont tort d'avoir peur, qu'ils n'ont rien compris à la situation politique, qu'ils n'entendent rien à l'économie ? Je dis, pour les personnalités que vous avez citées, que ce sont toutes des personnes qui ont soutenu Emmanuel Macron jusqu'à présent. On en revient toujours à la même réponse. Avec... Bien sûr, parce que ce sont des gens qui ne s'expriment pas de manière neutre. Dis-moi d'où tu viens, camarade, je dirai où tu vas. Voilà, bon. Et donc, ces personnalités, M. Asselin, à chaque élection, il fait la retape pour la Macronie, totalement d'ailleurs en dissension de sa base électorale. Moi, j'ai eu le contraire. Hein, et Edwige Diaz, elle a même eu un courrier du MEDEF de la Gironde qui lui demande de ne pas valider ce budget. Et c'est normal, puisque ça augmente les impôts des entrepreneurs. Et que ça rompt avec la politique d'allègement de charges sur le coût du bas travail, les coûts du travail, du travail peu qualifié, pardon, excusez-moi. Et des salaires les moins rémunérateurs. Des salaires les plus bas, sans étude d'impact, et en plus avec, pour le coup, une escroquerie, puisque Mme Borne avait lancé cette étude pour sortir de la trappe à bas salaire, relancer les salaires dans notre pays et que finalement, c'est pour remplir les caisses de l'État. Mais là, vous êtes en train de dire de qualifier d'escrocs ceux qui représentent une grande partie de votre électorat. Il y a quand même beaucoup à parler d'escroquerie. D'escroquerie, la situation d'alléger, de supprimer les allègements sur le coût du travail non qualifié, alors que c'était fait pour relancer les bas salaires et pas pour remplir les caisses de l'État. Monsieur Rousseau, il défend des intérêts qui ne sont rarement ceux de tous les agriculteurs, je vous rappelle. Vous les souteniez quand ils critiquaient l'État et là vous ne les soutenez plus quand ils demandent de la stabilité. Monsieur Asselin, ce n'est pas les petits patrons. Les petits patrons, tous les études d'opinion le montrent, ils ont voté pour Rassemblement National, ils ont voté pour Jordan Bardella et les soirées cocktails de monsieur Asselin avec les Macronies, ça n'intéresse pas les petits patrons. Une dernière question, Laurent. C'est quoi intermédiaires qui parlent beaucoup mais représentent peu de monde sont aussi en fin de cycle. Laurent Ferry. Le problème, c'est que toutes les critiques que vous recevez des économistes, des experts, des représentants syndicaux, à chaque fois vous dites finalement ce sont des gens qui sont partis pris, ce sont des macronistes. Mais si vous voulez vraiment devenir un parti de gouvernement, il faudra un moment que vous preniez en compte les critiques et que vous les preniez dans votre programme. Non, vous ne pensez pas qu'il faut écouter aussi les critiques qui vous sont destinées ? Ah mais on écoute les critiques. Le programme du Rassemblement National a considérablement évolué ces 10 dernières années pour prendre compte d'un certain nombre de réalités, d'évolutions. Mais ce n'est pas parce que j'écoute les critiques que je ne dis pas ce que représente un certain nombre de gens. Voilà. Et si l'agriculture française de la FNSEA nationale allait bien, ça serait et les agriculteurs ne seraient pas dans la rue. Alors, on a vu maintenant, on a passé en revue la situation actuelle après la motion de censure que vous avez déposée contre le 49-3 de Michel Barnier. On va se poser la question maintenant de savoir si ça n'est pas le président de la République qui est visé. Mathilde Panot le dit très clairement, par exemple, pour la France Insoumise. Clément, qu'en est-il ? Et Louis Alliot, et lui, de votre propre parti, estimait ce matin que c'était la suite logique d'une censure du gouvernement, la démission d'Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord avec lui, si le gouvernement Barnier tombe après-demain, vous réclamerez la démission d'Emmanuel Macron ? Non, Marine Le Pen n'a jamais voulu qu'on réclame la démission d'Emmanuel Macron. Il y a deux lignes au RN. Non, ce que Marine Le Pen a expliqué, et elle a parfaitement raison, c'est que la logique de la Ve République est très claire. Quand il y a une crise politique, soit vous déclenchez un référendum, Emmanuel Macron l'a toujours refusé. Soit vous faites une dissolution, Emmanuel Macron l'a perdu. Ce qui reste, c'est la démission du président de la République. On ne la demande pas, mais on constate qu'en cas de crise politique, c'est le dernier échelon que prévoit la Ve République. Mais c'est un peu au même. Non, c'est pas la même chose. Si le gouvernement tombe et vous dites, la dernière solution, c'est la démission du président, peu à la démission du président. Je comprends ce que vous dites, M. Farc, mais la nuance est d'importance, parce que d'une part, vous avez quand même M. Mélenchon qui engage une procédure de destitution, et il y a une confusion autour de ce processus auquel on ne veut pas du tout être associé, parce que la destitution n'a pas du tout été prévue pour une crise politique, elle a été prévue en cas de traîtrise, en cas de comportement indigne du président de la République. Ce n'est pas le cas. Le président de la République est un adversaire politique, il a été élu et réélu par les Français dans des conditions normales. Par contre, le fait que dans une crise politique, la logique des institutions, avec le pouvoir exorbitant qu'a le président de la République, ce soit sa démission, je constate qu'on n'est pas, que maintenant, même ses alliés arrivent à cette conclusion, y compris un éminent allié, c'est Édouard Philippe, même si on n'entend plus trop parler. La dernière fois qu'il a donné une interview dans Le Point, c'était pour lancer sa campagne en estimant qu'il était prêt si le président démissionnait. Mais c'est quand même il soutient le président comme la corde soutient le pendu. À quel moment vous poserez vous-même la question de la démission du chef de l'État ? Première censure, deuxième censure, troisième censure, c'est quoi le... Ah non, mais nous, on a dit la même chose après les élections ratées des législatives. Hein.
On a dit que M. Macron avait perdu sa dissolution et que la logique des institutions, maintenant, s'il y avait une crise politique, avant qu'il nomme M. Barnier, c'était de partir. Moi, on l'a dit à de nombreuses reprises. Hein. C'est de et la théorie que je vous ai... C'est de partir quand? Parce que la prochaine présidentielle, c'est 2027. C'est quoi votre bon calendrier pour qu'il parte? Bon, il n'y a pas de bon calendrier pour partir, parce que de toute façon, une démission du président ferait une élection présidentielle dans des conditions urgente. Justement, bah oui, mais vous dites que vous voulez la démission. Donc, c'est quoi votre meilleur calendrier? Je dis que c'est la logique de la crise. La crise. C'est quoi votre meilleur calendrier? C'est écouter le plus tôt possible. Hein. Si la logique des institutions poussait Emmanuel Macron à partir, autant qu'il parte tôt avant que la situation budgétaire s'aggrave. D'organisation. Donc, pardon? Vous dites qu'il faut que ça aille le plus vite possible, et puis vous dites mais ça se ferait dans des conditions un peu catastrophiques. Ah, j'ai pas dit catastrophique, j'ai dit particulière, urgente. Pas satisfaisante. C'est des conditions différentes d'une élection normale. Oui, ça arrive, mais la dissolution elle-même s'est faite dans des conditions différentes de d'habitude. On a dû trouver des candidats en urgence, on a dû trouver de l'argent en urgence pour faire campagne, comme d'autres. D'ailleurs, il y a eu peu de candidats aux législatives par rapport à des législatives normales. Les législatives... Mais c'est pas clair. Vous la souhaitez ou vous la souhaitez pas, cette démission du président de la République? Si on est en crise politique, je pense que c'est une solution, oui. Mais on est en crise politique? Non, on n'est pas encore, là, pour le moment. Non, on n'est pas encore. Si le gouvernement tombe, on y sera? Non, nous ne sommes pas dans une crise comme on a pu le connaître par le passé, et je ne participerai pas. C'est quoi vos exemples? Le dernier exemple, si vous voulez, c'est la mort du général, c'est la mort du président Pompidou. Donc, c'était quand même une autre crise politique, voilà, la dernière fois. Organiser une élection en urgence. Et si Marine Le Pen est élue présidente avant le délai constitutionnel pour dissoudre de nouveau, qu'est-ce que vous faites, Jordan Bardella, Premier ministre, qui devra faire avec les lignes rouges de la gauche dans la fiction, du centre? Oui, mais on est vraiment très très loin du quotidien des Français. Nous, en tout cas, on est prêts à tout. Je constate qu'on n'est pas les seuls et que M. Mélenchon est prêt également à cette élection. Ce qui est logique, puisque nous sommes les deux dernières forces politiques à avoir une vraie sociologie, un vrai programme et une vraie vision. Vous pensez comme lui que ça se terminera entre lui et vous, entre les filles RN ? J'ai pensé depuis très longtemps, je peux vous même dire qui m'avait convaincu que ça, c'était Henri Guénaud qui avait fait cette prophétie, si je puis dire, gaulliste en 2012. Que quoi ? Que ça se terminera ? Que ça se terminera entre Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon. Et finalement, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont un intérêt commun à la démission assez rapide du président de la République. Je pense que la France a un intérêt commun parce que M. Macron, en fait, était une illusion idéologique, politique, et que la vraie alternative politique qui se pose à notre pays, avec des vrais choix, des vraies orientations politiques, des vrais choix économiques, des vrais choix régaliens, c'est le programme de M. Mélenchon contre le programme de Marine Le Pen. Comme vous le savez, le 31 mars 2025, il y a quand même une chance que Marine Le Pen ait une peine d'inéligibilité. Ça bousculerait un peu votre calendrier ou vous avez un candidat de substitution qui est Jordan Bardella? Ce serait une crise politique considérable. Ce serait une crise politique. Et oui, si les juges prenaient la responsabilité d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate, ce serait une crise considérable. On priverait les Français d'une personnalité aussi importante symboliquement que le général de Gaulle. C'est-à-dire que la capacité qu'ont une part des Français de se projeter et d'avoir des espérances dans Marine Le Pen, moi je n'ai pas de comparaison autre que la personnalité du général de Gaulle. On avance, Bérangère. Le scrutin proportionnel, il faut en dire un mot parce que c'est une demande de longue date du RN. Michel Barnier avait fait un pas vers ça. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Pour quel scrutin? Vous voulez une dose de proportionnel, mais pour quand? Pourquoi? Et comment? Mais en fait, effectivement, M. Barnier a voulu gagner du temps, voulant nommer un expert sur la proportionnelle. Mais tout a été dit sur la proportionnelle. Déjà, la France a déjà eu un scrutin proportionnel en 1986. Par département? Absolument. Et c'est ça que vous voulez comme système? C'est ce qu'on avait proposé dans notre niche, ce que M. Bayrou avait soutenu et ce que M. Mélenchon avait soutenu. Par département? Ça pourrait être une solution, oui. Vous n'êtes pas tellement tranché chez vous. C'est quel proportionnel que vous voulez? Parce qu'en fait, nous, on est très ouverts à la discussion. Ce qui compte, c'est que les Français puissent s'exprimer. Vous savez que le résultat n'est pas du tout le même. Comment? Selon la façon dont c'est organisé. Nous, on avait fait un choix. On avait choisi le scrutin de 86. Donc ce choix, on l'a fait, on l'a proposé aux Français. Proportionnel intégral? Par liste départementale? Absolument. C'est ça votre... C'est ce qu'on avait arbitré et ce qu'on avait proposé au Parlement, parce que ça faisait consensus. Ce sera une condition pour soutenir le prochain gouvernement? C'est une des conditions, mais c'est beaucoup moins important que d'avoir un budget qui renoue avec une trajectoire de redressement des comptes et la justice sociale. Donc c'est une condition mineure, s'il vous plaît, par rapport au fait d'avoir évidemment un budget de la sécurité sociale, de lutter contre l'immigration, de relancer les salaires. Il y a beaucoup de conditions qui viennent avant la proportionnelle. Et cette proportionnelle, pour vous, elle doit s'appliquer dès les prochaines législatives, y compris anticipées? Au plus vite, oui, absolument. Alors, il y a une règle non écrite dont on peine à savoir de la part des constitutionnalistes si elle est vraie ou pas, qu'il faudrait un an d'écart entre une nouvelle loi électorale et une élection. Or, il est probable, si M. Macron restait en place, que
Il y a une nouvelle dissolution cet été si on était encore dans une situation impossible. Donc c'est vrai qu'on voudrait que cette loi soit prise le plus rapidement possible. Bon, je rappelle que c'est soutenu par une très large majorité des Français. Ce n'est pas seulement une demande du Rassemblement national. Et en plus, c'est d'autant plus de bonne foi que ça nous serait plutôt défavorable pour les prochaines élections, car aujourd'hui, le scrutin majoritaire est plutôt favorable au Rassemblement national. Alors, en attendant, il faut faire tourner la France. Et les inquiétudes grandissent sur le front de l'économie. La CGT évoque, par exemple, le risque de 200 000 emplois qui pourraient être supprimés cette année dans l'industrie. Face à vous, maintenant, un économiste connu et reconnu aussi, Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Il a même eu une période politique, puisqu'il a été conseiller d'Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif. On accueille Mathieu Plane sur ce plateau. Bonsoir Mathieu Plane. Je vous laisse saluer. Bonsoir. Jean-Philippe Tanguy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau et je vous laisse vous installer pour débattre pendant 10 minutes avec Jean-Philippe Tanguy sur les questions des enjeux économiques. Très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc je crois que j'ai la parole. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Non, moi ma question, elle est assez simple en réalité. Comme on le voit, la dérive budgétaire, elle a été commentée, hein, elle a été très forte, inattendue, inédite. La France, d'ailleurs, se déclasse un peu, hein, par rapport à la moyenne de la zone euro. C'est un peu une première, ça. On n'a jamais été bon élève, mais on n'a jamais été aussi mauvais élève. Ça, c'est bien sûr pas de votre responsabilité. La question que je pose, c'est que la France a été mise sous procédure déficit excessif par la Commission européenne cet été. Que le programme de redressement des comptes publics, il est un peu inédit. Hein, c'est-à-dire que si on veut respecter les règles budgétaires et notamment nos engagements vis-à-vis des partenaires européens, globalement, d'ici les 5 prochaines années, il faut trouver 100 milliards. 100 milliards nets, hein, c'est-à-dire chaque année 100 milliards à l'horizon de 2029. Donc ma question, elle est double en fait. La première, elle est, est-ce que vous considérez qu'il faut respecter ces règles budgétaires, même si elles sont critiquables, est-ce qu'on les respecte ou pas ? La deuxième chose, si oui, c'est où est-ce que vous faites 100 milliards d'ajustements budgétaires dans les 5 prochaines années ? Mais écoutez, je vous remercie de donner ce chiffre de 100 milliards parce que nous, on l'avait annoncé avant les élections législatives. On avait pris l'engagement, effectivement, que c'était l'ordre de grandeur des économies qu'il fallait réaliser et on avait reconnu qu'il fallait respecter les règles. Non pas parce que ces règles viennent de Bruxelles, mais parce que ce sont des règles de bonne gestion. Donc on n'a pas le fétichisme des 3% pour avoir les 3%. Vous savez comment cette règle a été fixée par un économiste de France. Mais est-ce qu'il faut les respecter ? Et oui, il faut les respecter parce qu'il faut que la France soit souveraine. Or, le surendettement et le coût de cet endettement posent deux problèmes. C'est l'étouffement des finances publiques, puisque chaque année, vous devez dégager toujours plus de ressources qui ne sont pas attribuées vers des services publics ou vers des investissements pour rembourser ce coût de l'endettement. Pardon. Et par ailleurs, comme la France a tendance, malheureusement, à ne pas surveiller à qui elle vend ses dettes, et qu'il est d'ailleurs impossible au Rassemblement national à essayer de savoir exactement qui détient les dettes, c'est un problème majeur de souveraineté. Nous, on veut lancer des grandes réformes de l'État. C'est aussi ce qui manque d'ailleurs dans les annonces de M. Barnier depuis 2 mois. On veut en mettre fin, enfin, au millefeuille territorial. On propose la suppression non pas juste de 2 échelons d'élus, mais la suppression de 2 échelons administratifs entiers, c'est-à-dire l'ensemble de la régulation qui y sont liées, l'ensemble des postes qui y sont liés, l'ensemble des dépenses qui sont liées et l'ensemble de la surréglementation qui vient, par exemple, de ces deux échelons. Mais ce n'est pas la seule réforme, je vous rassure. Oui, non, justement, ce que craignent, en fait, je pense, les investisseurs, mais aussi les épargnants, d'ailleurs, français, parce qu'il faut savoir que la dette de l'État, alors on ne sait pas exactement, vous l'avez dit, hein, comment elle est répartie très clairement. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près un peu plus de la moitié est détenue par des investisseurs étrangers. Mais ça veut dire que 45% est détenu par des investisseurs français, dont des épargnants, des ménages. Hein. En fait, c'est l'assurance-vie pour l'assurance-vie, beaucoup. L'assurance-vie, oui. Donc, en fait, ce n'est pas juste sécuriser les investissements étrangers, c'est aussi la question de sécuriser l'épargne des Français. Donc, c'est vrai que d'avoir un programme et une trajectoire claire est assez important. Là, on voit que c'était la première étape, hein, ce projet de loi de finances, pour redresser les comptes publics. La question, là, vous parlez effectivement d'une réforme de l'État ou des collectivités locales avec le millefeuille. Mais ça, comme vous l'avez dit, c'est des réformes structurelles. Et toute réforme structurelle s'étale sur 5 à 10 ans avant de générer des économies substantielles. Là, la question, elle est pour demain. Elle est pour la semaine prochaine, elle est pour dans les prochains mois. Comment trouver réellement plusieurs dizaines de milliards d'euros pour commencer à entamer ce redressement des comptes publics? On voit que même avec les 60 milliards qui ont été gonflés, hein, ce n'est pas réellement 60 milliards. Je vous remercie de le reconnaître. Enfin, vous l'avez reconnu d'ailleurs dans votre rapport. L'OFCE, oui. Notamment, oui. On est arrivé, allez, tout au mieux, à 5,3% de déficit public pour l'année 5,4, prochaine. 5,4, j'avais bien lu votre rapport. Et là, avec les amendements qui avaient été déposés, ça avait été déjà extrêmement rogné, ces 45 milliards qui restaient. Donc effectivement, je ne vois pas réellement où vous faites des économies, surtout si vous voulez continuer à soutenir le pouvoir d'achat, à redistribuer, etc. Et donc ça, c'est une vraie question aujourd'hui où on ne peut pas
en tout cas, avoir la garantie d'un programme qui doit s'étaler sur plusieurs années, parce que c'est des projections, et pour rassurer, il faut avoir quand même une stratégie de moyen, de court terme, bien sûr, parce qu'il faut dégager des économies tout de suite, mais aussi de moyen terme. Et là, je ne suis pas convaincu. Non, mais alors, bon, les 100 milliards, ce n'est pas 100 milliards en 2025, ni 100 milliards en 2026, vous l'avez expliqué, c'est 100 milliards qui doivent se cumuler à terme de réduction, mais ce n'est pas 100 milliards cette année. Là, nous, il fallait, on a proposé 15 milliards d'économies supplémentaires qu'on a réparties de telle sorte. On considère, je l'ai dit tout à l'heure, que par exemple, il y a au moins 4 milliards de trésorerie excédentaire dans les opérateurs. Oui, c'est 4 milliards. Aucune, et... vous savez qu'il n'y a pas de poule aux œufs d'or dans les couloirs de Bercy. Il y a plusieurs réformes à faire et il n'y a aucune dépense qui représente 100 milliards. Donc effectivement, ce que je propose, c'est évidemment une succession de réformes. Il n'y a pas une formule magique à réaliser. Nous considérons, par exemple, on avait soutenu l'alignement des jours de carence. C'est une économie qu'on a soutenue. On estime que les inspections des affaires sociales ont vu, par exemple, dans les ALD, un certain nombre d'abus sur lesquels on peut lutter sans renier du tout sur le dispositif sincère des ALD. ALD. Il y a sur la table les inspections de longue durée. Ah oui. Voilà, le rapport est très clair. Moi-même, je cherchais. Pardon, il y a des personnes, des personnes qui sont en dispositif ALD, qui ne sont plus en fait en affectation, qui sont plus affectées et qui n'y a plus de raison de leur donner. Sur les grandes réformes de l'apprentissage, nous, on a fait des propositions pour mieux cibler l'apprentissage, que l'apprentissage s'exerce vraiment sur les formations professionnalisantes, de l'artisanat, de l'industrie, qu'on se limite seulement à la licence, qu'on arrête de financer très avantageusement les apprentissages au sein du master. Bon, on parle quand même d'une politique qui est passée de 8 à 16 milliards d'euros, donc nous on estime qu'on peut récupérer beaucoup d'argent immédiatement, hein, sur l'année prochaine, sur cette politique. Déjà dans le projet de la France. Il y a encore de la marge, et il y a un rapport de l'Inspection générale des finances où il y a encore de la marge sur l'apprentissage. Après, les ALD, c'est souvent à vie. Hein. Le chat réagit, c'est souvent à vie. Oui, mais je ne parle pas des personnes qui sont à vie, je parle des personnes qui sont guéries. Il y a des personnes qui sont guéries qui sont encore dans ces dispositifs. Mais c'est rare, tu disais. Oui, c'est diabétique, rare. C'est pour ça, les ALD, je connais. Vous n'êtes pas concerné, concerné par cet avis de l'Inspection des affaires sociales. J'espère bien. Interrogation, c'est est-ce qu'on peut s'engager aujourd'hui, vu il y a une stratégie de redressement, on va dire, qui sera à marche forcée quelque part, sur le pouvoir d'achat des Français. En réalité, est-ce qu'il est possible de redresser les comptes publics, de passer de 6 à 3 tout en s'engageant à remonter le pouvoir d'achat des Français? C'est comment on fait? Je veux dire, c'est presque macroéconomiquement et comptablement. Mais vous avez raison. Mais le problème, je pense, vous savez, les Français ont l'impression de faire des efforts depuis des années, mais ces efforts sont vains. Donc il y a deux réponses que je voudrais vous apporter. La première réponse, c'est que nous ne sommes pas responsables des choix fiscaux faits par le gouvernement en 2017. Nous les avons contestés, nous les contestons encore. Nous pensons qu'il y a eu des baisses d'impôts. Baisses d'impôts vers les plus riches. Bon, donc on ne compte pas la suppression. On en reviendra si vous voulez, parce que cette taxe, visiblement, elle a été mangé par le marché de l'immobilier, et finalement c'était une très mauvaise opération. Mais si je reviens sur les choix, il y a eu toutes les mesures après les gilets jaunes fiscaux, pareil, on peut y revenir, mais si je peux, on peut rester sur le rétablissement de l'impôt sur une fortune. On est pour le rétablissement d'un impôt structurel sur la fortune, pas seulement une mesure exceptionnelle sur un ou deux ans. On l'a toujours assumé dans nos programmes, on a toujours assumé que la flat tax devait être réservée aux revenus inférieurs à 60 000 euros. On peut discuter de la limite, mais de faire une différence entre les petits épargnants dont vous avez parlé les plus favorisés qui n'ont pas bénéficié d'un tel dispositif. Ça, ce sont des ressources structurelles, pas seulement des ressources temporaires. Sur les mesures sur les gilets jaunes, nous, on n'a jamais été contre mettre à plat les dispositifs qui aujourd'hui sont des trappes à bas salaire. Alors on est entre 300 et 500 euros nécessaires pour un patron à mettre sur la table pour sortir quelqu'un du SMIC. Nous, on a toujours été ouverts à cette réforme avec les partenaires sociaux. C'est pas ce qui a été choisi aujourd'hui, mais les réformes, effectivement, la prime d'activité aujourd'hui, le fait que l'État doivent payer une part des salaires à la place des employeurs, n'est pas saine. Mais ça, c'est pas nous qui l'avons mis en place. Et effectivement, ce sera très compliqué de sortir de ces dispositifs qui ont, il faut bien le dire, miné les finances publiques. Il y a des engagements complètement dingues sur les énergies renouvelables qu'il faut dénoncer, à mon avis. Et on a en ce moment des négociations sur le cadre pluriannuel financier de l'Union européenne. Il est évident que la France ne peut plus être le pigeon de l'Europe, que l'on donne trop à l'Union européenne pour des politiques complètement inadapté. Justement, sur la question de l'Union européenne, excusez-moi, je vous coupe. C'est qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'on a toujours la crainte d'une dérive des marchés avec une augmentation des taux d'intérêt. Bon, je ne crois pas au scénario grec, mais un scénario à l'italienne est beaucoup plus probable. Un de vos collègues a dit, dans ce cas-là, si vraiment il y avait une attaque des marchés, il y a la BCE pour nous garantir ce risque-là. La Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne.
Est-ce que ce n'est pas extrêmement dangereux de penser comme ça? Si on considère que potentiellement la BCE peut venir à notre secours, c'est que potentiellement on pourrait être en défaut. Et défaut, c'est une perte de souveraineté. C'est-à-dire que c'est du coup la Banque Centrale Européenne et la Troïka qui justement arrivent, comme on a connu justement lors de la crise financière de 2008-2009, à Paris pour dicter à ce moment-là le programme économique qui ne sera pas du redressement juste de désindexation des retraites. C'est la Grèce a perdu 30% de son PIB. Donc si on considère qu'on est dans cette situation-là, je ne comprends pas qu'on discute quelques milliards près sur la désindexation, pas des retraites, parce que dans ce cas-là, si vraiment il y a un risque, alors à ce moment-là, c'est une perte vraiment de souveraineté, ça c'est le premier point. Et deuxième point, je termine, c'est qu'il y a le rapport Draghi qui parle d'une relance européenne, qui est une forme de début de fédéralisme, mais qui a un constat qui est assez intéressant sur l'innovation et l'industrie. Est-ce que vous partagez ce rapport-là? Alors je sais que ça fait beaucoup. Oui, à la fin comme d'habitude. Il y a deux choses différentes. Ce qu'a subi la Grèce, ce n'est pas spécialement le plan exceptionnel de rachat et de quantitative easing de la BCE, c'était le mécanisme européen de stabilité et c'était les pays européens en fait, qui validaient et qui assuraient en dernier ressort une partie de la dette grecque et donc ils ont demandé en échange des plans d'ajustement structurel. C'est pas gratuit, mais ce n'est pas du tout ce dont parlait Sébastien Chenu. Le fait que la BCE soit intervenue après 2012 pour acheter massivement des titres, y compris des titres français, titres qu'il a d'ailleurs toujours dans son bilan, titres allemands, titres danois, à des conditions extrêmement avantageuses, ça n'était pas lié à la Troïka. Et sur la relance, le plan de relance européen? C'est-à-dire que M. Draghi veut qu'on continue de faire confiance à des gens qui n'ont aucune compétence pour développer l'économie européenne. Donc le constat, je le partage, puisque moi, ça, en tant que souverainiste, ça fait 20 ans, je dis que les traités européens sont une catastrophe économique. Le problème des traités européens, c'est que c'est des traités économiques obsolètes. Donc s'il veut changer toutes les règles, notamment les règles qui empêchent d'avoir des champions industriels d'investir massivement dans l'innovation, banco, moi ça fait, quand j'étais avec Nicolas Dupont-Aignan, on voulait que l'Europe atteigne 5% de son PIB dans la recherche et développement. Ça a été promis en 1992, chaque année, chaque décennie, l'Union européenne promet une économie d'innovation, on est toujours à 2% du PIB, merci. C'est-à-dire moins que l'Asie et moins que les États-Unis. On va remercier Mathieu Plane. Merci Mathieu Plane d'être venu ouvrir le débat économique et extra-économique, j'allais dire. Intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On peut pas refaire le monde, on pourrait le faire, mais tous les soirs. Clément Méric, question personnelle à vous, Jean-Philippe Tanguy. J'ai vu que vous étiez présent sur TikTok. La Roumanie accuse ce réseau social chinois d'avoir favorisé le candidat pro-russe au premier tour de la présidentielle qui s'est tenu il y a une semaine de cela. Ça vous inquiète? Est-ce qu'il faut, selon vous, encadrer la façon dont les algorithmes décident de mettre en avant telle vidéo politique plutôt que telle autre? Absolument, je l'ai proposé lors de mon rapport sur les ingérences étrangères. Il est évident que le chinois TikTok, enfin les investisseurs de TikTok, utilisent TikTok pour répandre des fausses informations, des informations très biaisées. Et puis aussi, il faut le dire, une espèce de nouvelle guerre de l'opium. Donc les Chinois utilisent TikTok pour abrutir peut-être, les populations européennes. Peut-être en France aussi, quand Jordan Bardella fait 20 millions de vues avec une vidéo sur TikTok, il le doit pas qu'à son beau sourire ou à ses talents politiques. C'est-à-dire que je ne vois pas quel intérêt, si vous voulez, aurait le régime chinois de favoriser Jordan Bardella, vu la politique économique qu'on veut mener, qui est une politique de défense et patriotisme économique, en particulier contre la concurrence chinoise. Donc là, si vous voulez, les Chinois sont très pragmatiques, le régime chinois, pardon, pas les Chinois en général, le régime chinois est très pragmatique. Rapidement. Je ne pense pas qu'ils nous voient comme des grands amis. Bérangère, moi, je voulais vous parler du climat à l'Assemblée d'un monsieur que vous connaissez bien, qui est Nicolas Turquois, député MoDem, avec qui vous avez failli en Romain. Rapidement, il reste 30 secondes. Et la même chose a failli arriver il y a quelques jours avec un député LFI. Est-ce qu'il doit être sanctionné? Oui, il doit être sanctionné. Bon, la première fois, personne ne m'a cru. C'est lui qui nous avait agressé. Bah, là, tout le monde l'a vu. Monsieur Turquois se comporte comme une brute à l'Assemblée nationale. Bon, il ne nous fait pas bien peur, hein, parce que si vous voulez... Il doit être sanctionné comment? Il doit être exclu d'Assemblée se battre, mais enfin bon... Il doit être exclu, vous demandez que le bureau... Je pense que juste en levant le bras, il se blesse, quoi. Donc, vous demandez que le bureau l'exclue de l'Assemblée? Ah oui, non, mais je pense qu'il faut effectivement la sanction la plus dure. Ça fait deux fois. Hein. En fait, il avait essayé d'empêcher Marine Le Pen de tenir sa conférence de presse. Il avait essayé de m'agresser, puis bon, il s'était calmé tout seul. Hein. Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir accepté notre invitation dans l'Indice et Politique sur la chaîne parlementaire. Merci, bonne soirée, à lundi prochain.